Sous l'égide de Gisèle Afiavi Aoussi, socio-anthropologue et vice-coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines du Bénin, les Amazones de la 12e circonscription électorale se sont réunies à la Maison des Jeunes de l'ALO ce dernier dimanche du mois de mars 2021 pour célébrer en différé la Journée internationale de la femme. Faisant d'une pierre deux coups, elles se sont entretenues sur la paix et comment recadrer le terrain pour qu'au soir du 11 avril 2021, le duo Talon-Talata puisse remporter par un chaos retentissant. En principe, on devait fêter depuis le 8 passé. Mais compte tenu de certaines préoccupations, on l'a mis aujourd'hui dans notre deuxième circonscription électorale. Alors, cette fête, c'est pour sensibiliser nos femmes, nos sœurs, par rapport à la paix. Et comme vous le savez, nous les femmes, nous incarnons de grandes valeurs, parmi lesquelles il y a la paix. Et le plus souvent, quand on parle de paix, on se réfère toujours à la femme. Puisque nous avons les élections présidentielles en vue, nous avons profité pour demander à nos femmes de prôner cette paix qui fera que les élections seront apaisées. Nous avons aussi profité pour leur dire que, en notre qualité de femmes républicaines, notre duo que nous avons choisi, c'est le duo Talon-Talata. Et ce qui nous permet de supporter davantage le président Talon pour ces élections, c'est son choix qu'il a porté sur la femme. Et puisque nous défendons les droits de la femme en ce jour, nous avons saisi l'opportunité pour dire à nos sœurs qu'au soir du 11 avril, il faudrait que les femmes de Lalo, de Toviklin et de Dubo fassent un chaos pour le duo Talon-Talata. Délégué départemental du COUFO de l'Organisation des femmes républicaines, Séverine Sognon déclare. Femmes que nous sommes, il faut que nous fassions les choses dans la douceur. Il faut que nous soyons un exemple. Il faut que nous semons la paix autour de nous. Rien que la paix, sans condition. La coordinatrice OFR Lalo Ranchéry. C'est une élection qui est du jamais vu. Parce que une femme présidente, même si elle est vice, elle est déjà présidente. Donc, nous souhaitons que toutes nos femmes du COUFO s'organisent. Les femmes républicaines des communes de Dubo, Toviklin et Lalo se sont désormais aguerries et devenues ambassadrices de la bonne nouvelle dans leurs localités respectives. Le virus Talon-Talata est sans contestation une épidémie dans le COUFO.